Ça, il était prêt à jurer, il m'a traité de menteuse en fait. Il était prêt à jurer que j'avais des enfants, alors que je lui ai dit non, que j'avais pas des enfants. J'ai dit, c'est quoi ce délire? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi, je suis encore malade, hein, mais ça va, on fait avec, hein, il y a pire dans la vie. C'est qu'une grippe et voilà, j'ai pas à me plaindre. Il y a beaucoup, beaucoup pire que ça. Voilà, et aujourd'hui j'ai vraiment le plaisir de revenir pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes vergetures. Donc ça fait un bout de temps que je vous parle de mon soin de visage et tout ça, et je vous parle rarement de mon corps, comment j'entretiens mon corps et tout ça. Donc j'ai pas mal de questions en fait par rapport à ça, comment je fais pour atténuer mes vergetures et tout ça. Puis je vais vous expliquer ce que j'utilise pour mes vergetures et comment ça s'est passé depuis le temps, si j'ai plus de vergetures, si j'ai moins de vergetures et si ça s'est atténué et tout ça. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite après l'intro. À toutes. Donc avant tout, laissez-moi vous parler de cette perruque. C'est une perruque lisse normalement et c'est disponible sur mon site. Mais je fais des tresses dessus pour avoir cet effet ondulé. Mais à la base, c'est une perruque lisse et c'est des cheveux brésiliennes. Et j'ai mis 4 paquets avec une closure. Et la longueur, c'est 26 pouces. Voilà. Le site, c'est Black Body. .fr. Je vous mettrai juste là. Okay. Les vergetures, on les voit de moins en moins. Je suis vraiment contente. Je sais pas si c'est par rapport à ma couleur de peau, par rapport à du fait que j'ai noirci beaucoup plus qu'avant. Je sais pas. Mais franchement, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux et ça me dérange pas, comme vous l'avez vu, de me mettre en débardeur pour l'été et tout. Donc en plus de ça, par-dessus tout, hein, le plus important, c'est que j'assume. Ces vergetures me rappelleront toute ma vie la connerie que j'ai faite avec ces crèmes éclaircissantes. Voyez bien, regardez bien, parce que c'est ce qui vous attend si vous n'arrêtez pas ou si vous mettez le produit éclaircissant. Donc je vous fais cette vidéo pas pour rien, hein, c'est pour vraiment vous montrer les dégâts qu'on peut avoir quand on met les produits éclaircissants. Donc j'ai eu pas mal de propositions des crèmes, les personnes qui m'envoient des sites, on va faire disparaître les vergetures et tout. Certains médecins qui vous disent on peut faire quelque chose, on peut faire je sais pas, laser ou je sais pas quoi. Moi, mon dermatologue, il m'a dit, si quelqu'un vous dit qu'il peut faire quelque chose pour les vergetures, en tout cas pour les vergetures comme les miens, c'est qu'il vous ment. Vous faire payer pour rien du tout, mais les vergetures comme ça, avec le temps, ça, avec quelques soins, je vais vous montrer ce que je mets, ça peut aller mieux, mais ça va jamais disparaître parce que votre peau, elle craque. Donc moi, même au début, quand je suis arrivée en France, quelques temps après, je mettais encore les produits éclaircissants. Hein. J'étais voir un dermatologue pour me faire enlever les vergetures. Je me souviens même, j'avais même pas encore d'enfant, j'étais toute jeune, j'avais 18 ans, et j'étais voir ce dermatologue, et il me dit, bah, vous avez des enfants? J'ai dit non, mais il n'était pas au courant que je mettais les produits éclaircissants. Je lui ai dit non, j'ai pas d'enfant. Et le médecin, il était prêt à jurer, il m'a traité de menteuse en fait. Il était prêt à jurer que j'avais des enfants,
Alors que je lui ai dit non, que j'avais pas des enfants. J'ai dit, c'est quoi ce délire? Le gars, je lui ai dit que j'ai pas d'enfants. Il me dit, si, on dirait que c'est les vergetures qui prouvent qu'on a eu un enfant un jour dans sa vie. Il savait pas que je mettais les produits éclaircissants, mais quand même, de là jusqu'à me insinuer que je suis une menteuse parce que j'ai des vergetures, franchement, c'est laisse tomber. Donc, c'était à Tourcoing, je ne sais même plus c'était qui comme dermatologue, hein. Ça fait longtemps. Ça fait 15 ans facile ou non, plus de 15 ans même. J'avais 18 ans. Donc, comme vous le savez, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Donc, à 18 ans, j'avais déjà des vergetures comme ici, vraiment larges, laisse tomber, c'est une horreur. Et je vais voir et tout, mais je sais que aujourd'hui, en repensant à ça, je sais que j'ai fait une connerie parce que mettre des produits pour se blanchir la peau et aller en plus faire des séances pour enlever ces vergetures, il n'y a pas pire hein, parce que déjà tu agresses ta peau avec les produits éclaircissants, ta peau elle est fragile et ensuite tu fais des séances pour encore agresser plus. Laisse tomber, j'étais vraiment une folle. Donc j'ai fait plusieurs séances. Donc le truc c'était c'est comme un espèce de tuyau en fait. Ça inspire. Et le gars il faisait ça et ça inspirait aussi en même temps et ça me faisait trop mal. Je disais rien mais ça faisait trop mal. En fait il mettait le truc sur mes vergetures et il faisait ça et ça avait. Et ça, je sais pas, ça aspire en fait, on dirait. Et je sais pas comment ça peut guérir les vergetures, comment ça peut faire disparaître. Et ensuite, il m'a donné une ordonnance. J'étais à la pharmacie pour avoir un mélange. Ils m'ont fait un mélange dans un petit pot blanc. Je sais pas c'est quoi exactement, mais ils ont ça, une préparation en fait. Tu ramènes l'ordonnance et ils te font une préparation que tu viens chercher après. Et j'ai metté pendant quelques temps. Et après, deux fois, je voyais des griffes et tout. C'est des petites cicatrices et tout. Parce qu'en fait, en faisant ça, je pense que ça fait enlever la couche. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne me suis pas trop renseignée. Moi, ce que je voulais, c'est juste enlever mes vergetures. Et je mettais ça, en fait. Après chaque rendez-vous, ils me prescrivaient ce mélange-là, cette préparation, je la mettais et ma peau, elle pelait et tout. Mais ça a servi à rien. J'ai payé pour rien du tout. Et après, j'ai continué à mettre mes trucs. Mais c'est un truc que je vous conseille pas du tout. Et les vergetures, si vous m'écoutez, gaspillez pas votre argent. Sauf si c'est des vergetures toutes fines, des vergetures naturelles, on va dire, toutes fines, parce que la plupart des femmes, elles en ont. Des vergetures. Je sais pas combien de pourcentage, mais beaucoup, beaucoup de femmes, elles en ont et c'est des vergetures toutes fines et ça peut partir avec quelques produits et tout ça. Mais les vergetures là, celles que j'ai ici, là, c'est les bugs de vergetures. J'ai jamais vu pure des vergetures, je crois. Hein. C'est les number one. Donc ça va se voir moins, mais disparaître. Donc c'est plus facile pour moi de gagner au loto que d'avoir des vergetures. Parce que ça, il n'y a rien qui peut faire partir ça. Ça se voit moins et surtout, comme je vous disais, le plus important c'est que j'assume maintenant et j'ai plus peur de regard des gens. Et c'est comme ça fait partie de moi. Donc voilà, c'est tout. Donc je vais vous montrer ce que je mets sur mon corps. Vous me demandez souvent la gamme que je mets et tout. Pour l'instant, je mets pas de gamme. J'ai pas de gamme que je mets particulièrement. Voilà. C'est ce que je mets sur mon corps. En fait, ça va vraiment nourrir. C'est pour les peaux très sèches et ça va réparer en fait. Ça va régénérer les cellules. C'est ce que je mets sur tout mon corps. Et il y a des jours aussi que je mets ça. Voilà, donc ça c'est de l'huile de coco que je mets. Et au moins tous les 2-3 jours, je le mets sur tout mon corps.
Et ça nourrit bien et ça rend vraiment votre peau douce. Et c'est ce que je mets aussi sur mes vergetures. Ça marche super bien, ça coûte pas cher, ça se vend chez Action. 2,50 €, c'est bio et c'est 100% organique. Donc ça marche super bien. Je les mets sur mes cheveux, sur mon corps, ça marche super bien. Si vous avez Action à côté de chez vous, ou que vous avez des vergetures, ou même si vous n'avez pas de vergetures et que vous voulez hydrater votre peau, je vous conseille d'aller voir. Certaines personnes disent que ça noircit, mais personnellement, ça fait longtemps que je le mets. Depuis que j'ai arrêté, j'en mets ça, plus beurre de karité, mais c'est pas pour ça que j'ai noirci. Je pensais que j'allais noircir encore beaucoup plus, mais je garde quand même un teint entre deux, pas trop foncé, pas clair du tout. Donc voilà, et donc ça je vous le conseille vivement. Il y a deux sortes en fait, il y a le bio, celui-là, et un autre, mais moi je préfère celui-là. Donc je le mets sur le corps tous les 2 jours, je le mets partout parce que j'ai la peau sèche. Donc ça, je pense que pour moi c'est pas assez gras, mais c'est pas non plus agréable de mettre tout le temps du gras sur le corps, et du coup je le fais tous les 2 jours. Et ça, je pense que ça m'a vraiment aidé à avoir moins de vergetures. Expliquer, ça se voit moins en fait. Les vergetures, ils sont là, mais on les voit moins. Regardez. Attends, je vais mettre. Vous voyez? On les voit beaucoup moins. Donc, essayez, c'est pas un partenariat ni quoi que ce soit. Je partage juste ce que je fais avec vous. Ça marche pour moi, ça peut marcher pour vous aussi. Je vous conseille vraiment de tester. En plus, ça coûte pas cher. Ça coûte, je crois, 2,50 €. Et c'est un pot que vous pouvez rester 2 mois facile, hein, franchement. Et en plus, ce qui est bien, c'est que même si c'est concentré comme ça, vous avez juste, quand vous prenez, ça fond facilement en fait. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment bien. Vous voyez? Franchement, j'adore ça. Et voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, voilà. J'ai moins de vergetures et j'adore ça. Et surtout, j'assume ma couleur de peau. J'assume mes vergetures et ça fait partie de moi. C'est comme ça. On a tous un complexe. Personne n'est parfait. Donc, assumez-vous comme vous êtes et aimez-vous tel que vous êtes. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je vous aime aussi. Hein. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.